Bonjour et bienvenue dans 360 degrés, l'émission des services à la personne, des emplois à domicile et de la Silver Economy. Au sommaire aujourd'hui, gérer son activité de service à la personne et outiller les intervenants à domicile en solution mobile, c'est la thématique. Pour en parler, François Pastol. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président Aliacom depuis 2010. Exactement. Et à vos côtés, Marie-Marthe Angst. Bonjour. Vous êtes responsable service client MyDomino. Tout à fait. Alors, votre activité, quelle est-elle ? Alors, nous sommes éditeurs de logiciels métiers, donc spécifiques dans les services à la personne. Donc, ça fait 10 ans qu'on commercialise Domino, qui permet de gérer l'activité des services à la personne de A à Z. Donc, dans la partie gestion du quotidien, gérer les plannings, gérer les recrutements, etc., jusqu'à la partie paye, facturation et comptabilité. Et vous travaillez avec Aliacom à vos côtés ? Tout exactement, à fait. Depuis quelques années déjà. Hein, donc on a entamé une relation de partenariat technologique. Donc Aliacom se situe en fait dans le développement de solutions de télégestion mobile qui viennent en complément en fait des applications de logiciels de gestion de back-office. Hein. Notre rôle chez Aliacom, on a actuellement 17 000 utilisateurs, c'est de pouvoir en fait envoyer des informations d'une manière dynamique, des informations qui proviennent du logiciel de Marie-Marthe. Donc, sans le logiciel de Marie-Marthe, vous ne pouvez pas fonctionner. Et sans la télégestion, Marie-Marthe ne peut pas fonctionner. Alors, en quoi ce logiciel est spécifique à la Silver Economy ? Eh bien, il répond totalement aux contraintes imposées par la Silver Economy. Donc, à savoir qu'on travaille avec de l'humain. Donc effectivement, on a en face de nous un public d'un côté fragilisé, donc le bénéficiaire qui va justement pas être forcément familiarisé avec les nouvelles technologies. Et on a des salariés qui vont avoir des problématiques au quotidien et qui vont devoir gérer leur temps et donc sur le terrain. Et alors vous recevez donc cette solution, ce logiciel. Comment ça fonctionne depuis un PC ou un mobile ? Alors ça fonctionne de manière complètement dynamique. En fait, il y a une transmission des données qui proviennent du logiciel de Marie-Marthe qui arrive en temps réel sur des systèmes mobiles, comme des smartphones essentiellement. Toutes les informations donc, sont envoyées par le système, l'information du client, quelles tâches sont à exécuter sur un point chez un bénéficiaire, quel type de tâches sont à effectuer, à quelle heure doivent être effectuées ces tâches. Donc mon rôle, c'est de recevoir ces informations sur le terminal, de les transmettre au salarié et le salarié, d'une manière dynamique, va renvoyer au fil de l'eau toutes les informations en fait concernant ces missions. Et en quoi, par rapport à vous, c'est spécifique à la Silver Economy ? La Silver Economy est exigeante en termes de qualité de service. On est quand même dans l'humain, beaucoup de relations humaines entre les gens, entre des salariés qui sont nombreux et des bénéficiaires qui sont encore plus nombreux. Donc il faut effectivement que cette relation soit basée sur une relation de confiance. Et le fait qu'on puisse prouver que la mission a été exécutée en temps et en heure et d'une bonne façon est une façon de sécuriser en fait et de réassurer en fait l'ensemble des acteurs. Que ce soit le bénéficiaire lui-même, mais ça peut être aussi sa famille, ça peut être le tiers payeur, qui auront toutes les informations en fait à leur disposition pour voir que cette qualité était là. Alors quelles sont les contraintes que les dirigeants de ces structures-là doivent intégrer justement dans leur gestion de leur personnel ? Alors, donc c'est un fonctionnement complexe et justement, on va avoir des plannings qui vont sans arrêt être en mouvement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une obligation de prévenir l'intervenant 48 heures avant donc de ses prestations, de son planning précis. Donc, par exemple, le matin à 8 heures, il va devoir être chez un premier bénéficiaire, puis enchaîner chez un deuxième, etc. Et donc, il y a un besoin de communication, tout d'abord. Et c'est là où nous, on va justement pouvoir, grâce aux outils de télégestion, envoyer les plannings en temps réel. Donc, on va proposer un planning prévisionnel et effectivement pouvoir les mettre à jour immédiatement. Et donc, en contrepartie, on a également besoin d'un contrôle de ces temps. Donc, le gérant d'une structure n'étant pas auprès de l'intervenant, l'intervenant étant sur le terrain, effectivement, la télégestion permet de répondre à ces contraintes de contrôle et de mesure de temps. Donc, on va savoir avec une précision importante à quelle heure il est arrivé chez le bénéficiaire, est-ce qu'il a réalisé son temps prévu, à quelle heure il est parti, etc. Quel est l'intérêt de tout mesurer à ce point-là ? L'intérêt, il y a des enjeux quand même économiques forts. Hein. On va avoir un développement, bien sûr, du maintien à domicile. C'est un axe de développement très fort actuellement. On a des contraintes budgétaires qui s'accentuent. Il faut faire des économies, voir si l'argent est bien dépensé. On va aussi avoir des contraintes liées aux réglementations sociales. Tout ça fait qu'il faut que l'entreprise, l'association, soit alimentée avec des informations opportunes par rapport à ce qui se passe.
Il faut savoir que c'est un métier où vous ne voyez pas les gens travailler. Votre salarié est à 50 km de là, chez quelqu'un. Y est-il ? À quelle heure est-il arrivé ? A-t-il fait les bonnes prestations ? C'est des questions qui sont légitimes pour l'employeur. Et effectivement, on travaille aussi beaucoup avec des organismes financeurs, par exemple le conseil départemental, mais aussi des caisses de retraite qui vont financer justement ces prestations. Et aujourd'hui, on est vraiment dans l'ère du contrôle par le biais de ce type d'outils, parce qu'on va effectivement facturer, l'agence de service à la personne va facturer le conseil départemental qui, lui, a besoin d'avoir une certitude sur les temps effectués. Donc il y a un plan d'aide qui doit répondre à un besoin. Et derrière, on doit s'assurer que l'agence respecte bien et que les intervenants respectent bien justement les temps prévus. Il y a une nouvelle révolution qui va arriver maintenant, c'est l'Internet des objets qui va encore amplifier en fait le système d'information autour des personnes fragilisées. Hein. On va avoir une démographie médicale qui va décliner. Donc il va falloir trouver des solutions. On va avoir une demande qui va augmenter. La technologie, fort heureusement, arrive pour pallier à ce genre de situation. Alors, ces solutions, elles sont intéressantes pour celui qui dirige une équipe, mais le salarié lui-même, quel bénéfice il en retire d'être à ce point sous contrôle ? C'est vraiment gage de qualité. Et donc le salarié qui, effectivement, est consciencieux et va effectuer ses interventions comme elles sont prévues, effectivement, il va pouvoir le prouver. Il va y avoir, effectivement, à un moment donné, un contrôle précis, effectivement, de ce qu'il a fait. Il va pouvoir prouver qu'il a bien effectué ce qu'on lui a demandé. Et puis il y a une dimension sécurité aussi, non ? Oui, il y a une grande adhésion des salariés au système en fait. Pour un point important, c'est que ça les valorise dans leur métier. Utiliser un smartphone tous les jours, ça vous valorise hein, dans votre métier. Il y a un aspect de sécurité, c'est-à-dire qu'en fait on a des systèmes d'alerte automatique en fait, pour le salarié. S'il a un accident ou un incident, il peut prévenir automatiquement son parapluie de protection. Il y a aussi un élément fort, c'est qu'il est capable, avec le système, de prouver que ses horaires ont bien été exécutés. C'est aussi à double facette. Si quelqu'un lui reproche qu'il n'a pas fait, il peut dire « si, j'ai fait ». Est-ce que ça a un coût, finalement, toutes ces solutions ? Alors, oui, ça a un coût. Il faut du matériel, il faut une carte SIM, il faut une application logicielle. Enfin, si je résume, c'est à peu près l'investissement qu'il faut faire. Mais au regard de cet investissement, il y a comme une efficience opérationnelle qui est là et qui permet largement de compenser le coût mensuel de l'applicatif. On va avoir un gain de temps. Donc la gestion administrative étant quand même lourde entre justement ces contrôles de planning et donc l'objectif c'est de gagner du temps en utilisant un système qui est automatisé. Lorsqu'on va récupérer les pointages d'Aliacom dans Domino, on va avoir une table de rapprochement avec le planning qui va permettre quasiment automatiquement de déclencher une facture et une paye. Alors qu'avant, on avait des systèmes papier assez lourds où on réceptionnait des feuilles d'heures qui étaient signées par les bénéficiaires. Donc tout ça, on n'en a plus besoin. Et du coup, on a un gain de temps pour développer son activité, s'occuper du relationnel. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que l'information banale est traitée automatiquement et l'information à valeur ajoutée peut être traitée par les managers. Ils vont dégager du temps sur des tâches basiques pour utiliser leur temps pour des tâches relationnelles. Relationnelles avec leurs salariés, relationnelles avec les bénéficiaires. Est-ce qu'on a déjà une idée en chiffres du gain de temps que ça peut représenter ou du gain d'argent ? Actuellement, ce qu'on appelle le retour sur investissement est immédiat. Enfin, je dirais qu'à partir d'une installation, le système est déjà bénéfique pour l'entreprise, hein. Il y a pour l'association. On a aussi une répartition des tâches sur le mois. Et c'est vrai que là, on s'en rend compte parce qu'on a des utilisateurs qui n'ont pas encore de système de télégestion, qui vont avoir une charge de travail très importante à la fin du mois, justement dans le contrôle de ces heures. Tandis que là, on peut vraiment le répartir tout au long du mois, puisqu'on a, comme c'est en temps réel, tous les jours, on va pouvoir vérifier et pointer et valider les interventions qui ont été faites. Donc le gain de temps est immédiat, effectivement. Et comment convaincre justement tous ces dirigeants d'adopter vos solutions ou la télégestion ? Il y a eu une phase un peu de résistance technologique, elle est classique quand vous innovez. Et actuellement, en fait, le système est arrivé à un tel niveau d'industrialisation que le système est très très vite au déploiement. Il n'y a pas de résistance particulière. C'est des technologies maintenant qui sont complètement intégrées par les structures.
ça devient incontournable, je pense. Alors, l'outil métier est incontournable parce qu'on ne peut pas gérer à partir d'un certain volume des plannings de 10, 15, 100 intervenants sans avoir un logiciel métier complet. Et puis la solution de télégestion, elle devient obligatoire parce que les conseils départementaux, comme je vous le disais tout à l'heure, commencent à l'imposer. L'exige, oui. Donc c'est incontournable, je pense que... J'imagine que ce n'est pas simple à utiliser, il faut se former. Alors, tout à fait. On a beaucoup travaillé sur l'ergonomie et le design de nos applicatifs. On a vu en fait, avec l'expérience que c'est les salariés eux-mêmes qui forment leurs collègues. Donc on fait en fait un transfert de compétences d'Ushaliacom. On va former un noyau de 5-6 personnes dans une structure. Et c'est eux qui sont porteurs en fait de la formation en interne. Donc ça prouve bien que c'est relativement simple une fois que c'est bien fait pour l'intégrer dans un système. Combien d'heures il faut pour se former, vous qui formez justement ? Eh bien, bon, alors sur le logiciel métier, en général, on a 3 jours de formation pour démarrer. Par contre, la télégestion, ça va s'intégrer dans ce plan de formation et c'est 2 heures maximum, effectivement, ouais. Puisque ça s'utilise très facilement. Ce sont des outils qui sont interfacés et automatisés. Voilà. Donc, il y a une prise de main vraiment rapide. Alors, la télégestion est maintenant... bien installé, enfin vous le disiez, oui. Ça commence à se développer. Mais si on devait se projeter dans quelques années, comment est-ce que tout cela va évoluer ? Ben, je dirais que ça va être multi. Ça va être les réseaux maintenant en fait, qui entourent un bénéficiaire qui vont devoir être alimentés avec de l'information. Ça peut être de la famille, ça peut être des libéraux qui interviennent, ça peut être des salariés qui interviennent. Donc nous, on travaille sur un système unifié d'information qui, d'une manière dynamique, en fait, va partager l'ensemble des informations avec tout le monde, avec des filtres, bien sûr, sûrement votre position. Ça, c'est l'avenir. Multi-réseaux techniques, beaucoup de nouveaux réseaux de communication de données se développent. On entend parler de Sigfox et de nouveaux réseaux qui arrivent. C'est effectivement intéressant dans la perspective où les objets vont être installés chez le bénéficiaire. Et c'est là, en fait, que nos clients, ensemble avec vos solutions, vont pouvoir aller porter demain des systèmes de capteurs biométriques, actimétriques qui permettront de tirer de l'information en fait, de chez le bénéficiaire. C'est la nouvelle voie. Hier, on a présenté en fait un système intégré dans nos smartphones qui fait du télédiagnostic. On est capable, avec un simple smartphone, en fait, d'analyser une plaie à distance avec une technologie très simple qui pourra être intégrée dans le logiciel de Marimart. Et vous, justement, l'avenir pour vous, comment vous le voyez ? Eh ben, bon, nous, on va vraiment vers une ouverture, effectivement, vers l'extérieur. Et c'est vrai que le système de télégestion va dans le même sens. C'est qu'on va proposer des outils pour tous les acteurs, finalement, des services à la personne. Donc, je pense, par exemple, à un extranet ou ce genre de choses qui va permettre au bénéficiaire lui-même d'aller consulter son planning. Donc, il n'y a plus seulement les administratifs en agence qui vont avoir ce visuel. Le bénéficiaire ou bien sa famille, effectivement, va pouvoir consulter tout ça en ligne, idem du côté salarié. Et c'est vrai qu'on est dans une ère, les développements vont dans ce sens-là. Je vous remercie. Merci. Merci. Cette émission, vous pouvez la retrouver sur demain.fr, mais aussi sur YouTube, Salon des services à la personne TV. Merci, à bientôt pour une nouvelle émission.